Bonsoir tout le monde, c'est Kazuki, et ce soir on se retrouve pour un Kazuki Play. Et on va commencer cette soirée par du Isuite, Lacrimosa of Dana. Level 33. Donc le Isuite que je suis en train de refaire pour la troisième fois. J'ai fini le jeu à sa sortie sur PS Vita, puis sur la chaîne je vous ai fait un live sur PS4. Et là je refais une version Switch, qui a été très décriée, mais que pour l'instant je trouve correcte, vraiment correcte. Alors au niveau de l'histoire, je viens juste de récupérer la petite Licota, qui va devenir le nouveau tank qui va remplacer Sahado, que j'ai d'ailleurs habillé en Ricotta, tu es où? Ouais, là, que j'ai habillé en version pirate, et là d'ailleurs je peux lui donner des galets. Tes vêtements aussi sont faits même. Toi aussi t'es mignonne. L'affinité avec Licota a augmenté. Donc l'attaque de Licota a augmenté de 5 et l'attaque d'Adol a augmenté de 2. Donc c'est pour ça qu'il faut leur faire des cadeaux. Une des nombreuses features de ce jeu, qui en a des tonnes, c'est le jeu de l'amour. C'est le jeu de l'amour. Donc on voit que là, c'est les affinités au fur et à mesure qu'on leur fait des cadeaux. Salut Little Mac, bienvenue à toi sur le live. Donc on voit que Licota... Alors, Licota... Ah, ça c'est des persos... Spoil, personnage mort. Ah, Licota, on voit que je suis déjà à 2. Donc il me reste encore pas mal de choses à découvrir. Laksha, ouais. Ou pas. Un jour, Little Mac. Salut Emery. Alors, par là, j'y suis déjà allé. De musique de folie quoi. C'est vrai que je l'ai pas encore utilisé la petite quota. C'est vrai qu'elle me bougeait bien la petite Ricota. Oui.
Ouais, on est parti. D'accord, on peut pas aller par là, donc il faut trouver un autre chemin. Non, je l'ai pas essayé, Little Mac. Je sais pas de par où on va y accéder là à cette quête là. Ah tu me vexes, Emery. On est sur Isuit Lacrimosa of Dana. Et je sais plus par quel endroit on passe, c'est ça le problème. C'est un peu problématique parce que là, faut descendre, là on sait qu'on peut pas y aller. Ah bah c'est un JRPG culte. De la PS Vita, porté sur PS4, PC et Switch. Mais là-bas c'est un jeu Vita. C'est devant pas. Effectivement, tu peux craquer ça sur ta Vita. J'ai envie de dire, ça serait une bonne idée. Parce que sur Vita, il est exceptionnel. Qu'il est vraiment exceptionnel, quoi. Ça, c'est un jeu vitrine de la Vita, quoi. Je sais vraiment pas où aller pour cette quête là. C'est une grotte, c'est... Pourtant je l'ai fait deux fois le jeu. Mais à chaque fois, j'oublie à chaque fois par où il faut passer. Le problème c'est que de là... Les cartes sont pas claires quoi. Ouais. On va essayer de voir s'il y a un montant par là. Où ça va nous mener. Ah, là c'est le mont. Là on va monter, c'est ça le problème. Et en montant par là, je suis pas sûr que...
Faut que j'arrive à descendre, faut aller chercher le métal en fait pour faire les nouvelles armes. Je sais pas. C'est comme ça. De rien. Ça serait con de passer à côté quand même. Surtout qu'en plus tu l'auras gratuit toi vu que c'est du craqué. Il est très nerveux, hein. Même sur PS Vita, le jeu est ultra nerveux. Il est pas mal ce con. Ah ouais, moi ça a été longtemps ma console portable préférée, la Vita, jusqu'à l'arrivée de la Switch. Après la Switch, jusqu'à le plus de succès, il y avait plus de jeux, mais ouais, effectivement. PV moi. T'as une première, t'as une OLED. Ah, je tourne en rond, mais faut que je trouve un endroit pour descendre en fait.
Normalement c'est près de sa cabane, elle l'a dit. C'est près de sa cabane, il y a une TP en plus normalement. Donc là j'ai pas l'air d'avoir oublié de chemin. C'est près de sa cabane, mais où c'est quel chemin que j'ai oublié? Ça c'est la bonne question. Je vois pas. Là, si mais c'est faire, ouais, t'as la 3G toi en plus donc. Hein. T'avais pris la vraiment toute première OLED 3G. Quoi. Putain, je m'en rappelle plus. À chaque fois, je me pomme à cet endroit là quoi. Tiens, console m'a fait un freeze. Première fois que ça me le fait sur Is. Ah, c'est vrai que j'ai changé ma carte SD tout à l'heure, c'est peut-être pour ça que ça fout la merde. Ça me le fait des fois quand je change la carte SD. On va prendre l'autosave pour le coup, et ça sera mieux fait. Hein. Ah effectivement, t'étais motivé à l'époque là. En même temps, je sais que même si on joue pas les persos, ils prennent du level, ça c'est cool. Ouais, t'as pas de regard à voir, y'a pas de grosse console qui mérite d'acheter des One comme. Je vois pas où j'ai raté une sortie moi quand même. Non, laisse-moi tranquille toi. Parce que là il y a un TP, donc j'ai pas raté de chemin par là. Et par là il y a rien puisque c'est juste...
pense pas qu'il y ait quelque chose par là en retournant. Il y a quand même un coffre. Peut-être par là, hein. Elle a dit près de là. Alors, je tombe là en fait. Hein. Là où il me refuse d'y aller parce que j'ai pas les armes. Attends, on va changer. On va changer les étages, mais à mon avis ça va pas changer grand chose. Ouais, je ne veux rien du tout. C'est ici qu'il faut que j'arrive à descendre dans les étages inférieurs. Alors il me dit d'y aller par ici. Sauf que par là j'ai rien quoi. C'est par là hein. Ah si, on peut peut-être y aller de par là. Alors hop. Bah la vallée de Parinque. Pas trouvé là pour ça. Donc. Bah ouais, bah c'est tout simple en fait. Ça faisait chier à vouloir passer par l'autre côté. Oups, pardon. Tu t'as été servi de la 3G toi? À l'époque? C'est vrai que la 3G elle ne servait pas à grand chose. Hein. Maintenant ça servirait plus sur une Switch de la 5G pour faire du cloud gaming à la limite, ouais. Mais c'est vrai que la Vita, la 3G, pas servait à grand chose. Hein. Ah oui, c'est vrai, quand maintenant je peux marcher sur l'eau. Ah ouais, je pouvais pas. J'ai oublié ça. Bah oui. On tombe sur ce marécage. Ouais, d'après la carte, ça devrait être par là. Oui, c'est ça, Ricota. Bah, désolé, je me souviens plus très bien. Juste des transports en commun pour aller au boulot. Ouais, c'était la vie, la Vita, quand même, hein, franchement. Je dois en avoir une là, peut-être. Ce serait que les autres, je les ai pas ici. Est-ce que j'ai une Vita ici? Hop. Non, est-ce que j'ai une Vita? Comme maintenant j'ai tout là, les deux apparts. Ah non, c'est pas une Vita ça. Ça c'est par contre ouais, moi Day One ça. Celle-là à l'époque. Qu'est-ce que j'ai kiffé à l'époque la PSP quoi. Hop. Alors là j'ai quoi? Ah. J'ai la vie là aussi. Parce qu'il y a de la batterie. Ah, à faire plaisir à Emery, quoi. La console de la vie, Vita OLED 3G, la première aussi. On le voit rien qu'à l'écran qui est vachement flashy quoi.
Habitat, moi je les ai toutes. J'ai une OLED 3G. J'ai une OLED Wi-Fi. J'ai une Slim 2000. Et j'ai une Vita TV. Je les ai toutes pris quand même. Elle était belle, ouais, franchement, elle était quali, quoi. Ce truc qui a manqué, c'est ce qu'a eu la Switch, quoi. Les Source, quoi. Ça a eu les Source parties. Après, il y en a eu quelques-uns, mais pas assez en Occident, quoi. Au Japon, ouais, elle a bien tourné, quoi. Mais pas chez nous, quoi. Même si on a eu quand même des bons jeux, un jour, je vous ferai... des lives sur la Vita, vu que j'ai la Vita craquée, hein, Vita TV. Je peux jouer à tous les jeux sur la Vita TV. Ça, c'est plutôt cool, quoi. Donc là, normalement, de base, on peut pas y aller. Hein. C'est parce qu'on a... les chaussures flottantes. Hein. Étranges chaussures, voilà. Donc c'est vraiment un jeu où... où il y a énormément de contenu, de choses à faire. C'est un jeu, en fait, où qui va vous pousser à faire le 100% sans que ce soit une platine à la con, quoi. C'est vraiment le jeu qui te pousse à explorer, à faire tout ce qui est possible et inimaginable parce que tu kiffes, quoi. Ce jeu te donne envie de découvrir l'île de plus en plus, quoi. Sans faire des trucs, voilà, de platine à la con, quoi. Dégâts avec lui, hein. Ah putain, il va me foutre de la para. Non! Putain, il m'a foutu de la para, ce con. Il attaque, hein. Je mets pas le perso en attaque non plus. Aïe, 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 aïe. J'ai de la para. Alors, anti-para. De l'anti-para. Et on va prendre... un petit peu de noix de coco pour faire du bien. T'as pas qui au fou là, il va. Et puis je me suis fait plaisir, Uncharted Golden Abyss. Ah, Gravity Rush, c'était quelque chose sur la Vita, ouais. Ah, c'est sûr que c'est un gros problème de la Vita, trop de jeux en anglais pas traduits. Quoi. Mais par contre, tu vois, voilà, Is, tu l'auras en français, mais par contre, ta version craquée, regarde bien quelle est les DLC de langue. Parce que le problème, c'est que le jeu, sur la cartouche, était anglais sous titre anglais. C'est un patch gratuit, le français. Donc fais bien attention à ta version hybride. Chope bien une version avec les patchs français. La cartouche est anglais, quoi. Tu regretteras pas, franchement. Hein. T'as pas pu faire Persona, mais... t'as quand même, là, un des meilleurs JRPG de l'habitat, quoi. Surtout que Golden, c'était... Persona, c'était un portage, quoi. Tandis que Is 8, c'est vraiment un jeu qui a été créé pour l'habitat, quoi. Takalahakei, les griffes de tigre. Ça fait quoi les griffes de tigre? Alors, équipement. Alors, les griffes de tigre. Durée de la garde éclair multipliée par un 5. C'est pas mal ça. Vas-y, tu peux. On est là pour ça, c'est du live blabla, hein.
Je suis là pour parler avec vous, quoi. Et avancer dans Nice. Et d'autres jeux, d'ailleurs. Tiens, toi qui aimes les RPG, Emery, là je suis en train de faire aussi Ocean Horns 2 sur Switch. Qui est vraiment une tuerie, quoi. C'est une espèce de Zelda-like. Mais on est plus proche d'un jeu d'aventure qu'un RPG, quand même, pas déconner. Donc... on en a tout clean, il n'y a que ce coffre là que j'ai pas eu. Sauf qu'il doit être en hauteur. Où il est là? Non, il est là en fait. Mais tu arrives en tombant parce que je sais pas. Ah, il me faut le double saut. Il me faut le double saut de Dana. Et je l'ai pas encore le double saut de Dana. Donc ça, il faudra y revenir plus tard. C'est vrai que t'as Adrénaline, un émulateur sur. Qui déchire bien, ouais. Non, la Vita craquée, c'est quelque chose aussi. Hein. Tu peux vraiment. Hein. Moi, c'est pour ça que la. Moi, je préfère craquer la Vita TV. Parce que l'avantage, c'est que. Elle a un port USB. Et tu en gros, avec une clé USB. Enfin, avec une clé USB avec un adaptateur. Moi, j'ai l'adaptateur à l'époque, j'avais la R4. Hein. J'ai mis dessus une 200 Go. Donc, 200 Go de jeu sur la Vita TV. Ça fait plaisir, quoi. Tandis que tu peux le faire avec une Vita classique, mais faut que tu achètes le fameux adaptateur chinois que tu mets à la place de la cartouche qui te permet ensuite de mettre une micro SD. Mais c'est pareil, ça coûte 20 balles, et tu commences ça en Chine et ça marche aussi bien quoi. Comme ça, tu trouves plein de jeux sur ta Vita et c'est que du bonheur. Mais un jour, je vous ferai des lives sur la Vita, vu que maintenant j'ai la Vita TV. Que j'ai mis longtemps à trouver d'ailleurs. C'est assez rare, mine de rien, mais en même temps, il n'y a pas grand monde qui achetait une Vita TV à l'époque. C'était un peu de l'arnaque. Sony avait vraiment bridé sa console. Ça va taper. Un mode vénère. Elle est pas contente. Ah, la classe. Merde, j'ai raté. C'est tout. T'avais fait que ça, mais c'est sérieux. Oh putain, mais tu prends trop de dégâts sur eux, c'est une catastrophe. Tu prends trop de dégâts sur leur putain de tronche. Ouais, toi tu stun, tu dégages. Je te dis, un de ces jours, tu devrais faire une petite vidéo. J'ai toutes mes consoles hack et puis Colossian 50. Ouais, il faudrait un jour que je vienne sur Toulouse. C'était prévu, hein, mais c'est vrai qu'entre temps, le boulot, tout. Mais relance-moi quand il n'y a plus confinement, parce que je tendance à oublier, moi. Ah. Tiens, un pont suspendu. Visiblement, soit les bêtes sont les créatures antiques, sont responsables, le pont est vraiment dans un sale état. Ah, c'est le pont qu'a construit mon père. Joie. Voilà, je pense qu'on ne puisse pas aller plus loin sans réparer le pont. Mais tout de même, le père de Ricotta devait vraiment être quelqu'un d'intelligent et de talentueux. Quel genre de personne était-ce? Ah, mon père était un explorateur. Un explorateur? Un explorateur. C'est qu'un explorateur, c'est comme un aventurier, c'est ce que fait Adol, non? Ah, c'est vrai, être un explorateur peut avoir de nombreuses significations. Entre ceux qui parcourent ces terres encore inexplorées et ceux qui collectionnent les trésors, les Tomb Raider, quoi. Ceux qui suivent leurs propres convictions et qui veulent répandre la bonne parole à travers le monde.
pour faire simple, ce sont des personnes qui révèlent des défis impossibles, aventurer une connotation un peu plus extravagante. Le mot donne la sensation de ne jamais savoir ce qui attend de l'autre côté. Je pense que ce mot te décrit parfaitement, Adol. Sans déconner. Salut Sola. Ah, bien sûr, dans ce cas, cela veut dire que Thanatos est venu sur l'île de Silent pour chercher quelque chose. Bah, c'est que... Non, mon père a dérivé jusqu'ici alors qu'il partait en expédition. J'ai aidé mon père lorsqu'il s'est évanoui sur cette plage. Oh, attends, voir, petite. Ça fait combien de temps que tu es sur cette île-là? Moi? Bah, depuis le début que je suis ici. Tu as toujours été ici aussi bien que tu te souviennes? Bien sûr, avant, j'étais la seule humaine ici. C'est pour ça que j'ai été contente que père devienne mon père. Je suis heureuse que vous soyez ici. Nikota-chan. Enfin, dans tous les cas, j'espère que tu pourras retrouver rapidement ton père. Oui, contactons le village de naufragés et réparons ce pont rapidement. On peut le réparer d'ailleurs. Salut Aslan. Et ce soir, il y a beaucoup de monde avec des toutous. C'est toutou power. Allez, on va le faire. On fait moi penser à Emeril avant que tu partes, que je te montre Ocean Horns 2, qui pourrait peut-être te plaire, un jeu d'aventure. Et je sais pas, Slant, si c'est une fille. Bon, la mienne, vous la voyez, elle est là. En train de dormir. Puic. Eh ouais. Oh, que papa, tu m'embêtes. Hein. Tu m'embêtes, mais je te donne la patte quand même. Grâce aux efforts de chacun, le pont suspendu a été réparé. Ah ah, j'en attendais pas moins de toi, Iron. Eh bien, dépêchons-nous d'avancer. Un événement dans les avions a été rajouté sur la carte. Kansashira. Eh ouais, c'est Maya. Eh, elle vieillit, elle fait enfin, 9 ans, hein. Qu'elle a fait 9 ans, la poupette. Quand on l'a prise à l'époque au chenil, elle avait à peine un an, quoi. Ça fait déjà 8 ans. Il y avait un endroit où j'ai pas pêché, je crois. Fait que je pêche. C'est qu'il y avait un endroit à pêcher, je me rappelle plus. Ouais, c'était là. Elle le dit, tu vois. Sakanaga Atsumateiru. Il y a plein de poissons ici. Hop là. Ouais, un petit peu de pêche. Ah. Un kincho. Un doki doki. C'est un gros poisson. Mais c'est pas un légendaire. Allez, viens là, toi. C'est déjà pas mal, hein. Donc tu verras, Emeril, que dans ce jeu, t'as vraiment tout ce que t'aimes dans le JRPG, tu l'as en fait. Ils ont tout mis. C'est Oh, ça va, c'est une petite jeune. Ah, ça s'agrandit, ça vieillit trop vite avec tout, malheureusement. Allez, Malinois, faut que ça bouge. Hein.
Ah, c'est clair qu'il faut que tu la... faut que ça bouge. Ça reste pas la zone à part. Hein. なんか空いてる。Ça y est, je l'ai annoncé 90 minutes et il y a la langue de deux packs de costumes. Ah, tu as t'as tout quoi, la totale, ça c'est cool. Ah, tu vas te régaler, franchement, il suit ça. T'es parti pour 50 ou 60 heures si tu veux finir à 100%. Et comme je te dis, le jeu te motive à faire le 100% dessus. Pour avoir la bonne fin, etc. Bam. Là c'est quand il y a un coffre en général. Hein, là je vais avoir le coffre. Saloperie. Putain, il m'a fait rater le coffre. Maintenant saloperie. S'il m'avait fait rater mon coffre, je le tue le mec. Allez, hop, un petit coffre. Ah, une gemme arc-en-ciel. Ça, c'est pour faire du commerce avec Dina. Normalement, il te le proposera au début. Il faut qu'il détecte les DLC. Il te proposera. Tu auras une option pour choisir la langue. Parce que de base, en fait, t'as juste que lancer le jeu, quoi. Mais toi, vu que si t'installes tout, il faudra que t'ailles mettre en français. Ça le mettra pas en français de base. Ah, tu mets des SD de 256. Bah, c'est parfait. Toi, t'as comme moi sur la Vita TV, quoi. Après, des fois, t'as certains jeux qui sont assez compliqués à trouver en démat, quoi. Tout n'a pas été craqué, quoi. Mais la plupart se trouvent assez facilement, quand même. Parce que avec la Vita, pour le coup, vu que t'as la PSP avec Adrénaline, t'as quand même moyen de te refaire tous les gros RPG de la PSP, quoi. Donc tu peux te faire I7. Il est en anglais, par contre. Après, t'as certains jeux qui ont été traduits. Je sais que le Parasite Eve 3, qui t'est sorti qu'en anglais chez nous, tu peux l'avoir en tradfr. Tu peux faire Crisis Core sur la Vita aussi.
ça pour le coup. Crisis Core, t'as un hack aussi qui te permet de jouer voix japonaise plus que français. Ça, je crois que j'en ai fait une vidéo. Mais moi, j'ai mis quasiment 2 ans à la trouver. Parce que par chez moi, à la sortie, il n'y en avait pas eu. Il n'en avait pas commandé, je sais pas pourquoi. Et à l'époque où ils les ont soldés, je me rappelle, putain, je l'ai raté sur internet, il les soldés à 10 ou 20 balles, j'en avais pas eu. Et après, c'est devenu un objet de collection, et maintenant, une Vita TV en loup, c'est quasiment 100 balles. Quand t'en trouves, c'est ça le problème. C'est une Vita TV, ouais, on va aller voir à l'heure actuelle pour voir. On va aller sur eBay, ça sera le plus rapide. On enlève 20% parce qu'eBay est toujours 20% plus cher. Alors, Vita TV. On va voir combien ça se monnaie, ça. Vita TV, 20 euros ici. Putain, ils ont changé la présentation. Ah, 20 euros ici. Toc toc tac. 109 euros avec les frais de port. 200 euros en boîte, nom de Dieu. Ah, PS Vita craqué avec un Kaku, S2 Vita, et donc là il y a tout l'intégrale. Ouais, là pour 140 euros quoi. 140 euros. Ouais, c'est 100 euros, hein. C'est ce que je te disais, tu vois. Je m'étais pas trop trompé, hein. Si je t'en trouve à 50 d'occasion, putain. Oui, c'est celui que j'ai le Crazy Score. Ouais, il est bien sûr. Bah, je sais pas, 50 euros, prends-la d'occasion si t'en trouves une. Parce qu'à l'heure actuelle, là, c'est 100 euros d'occasion. Hein, sur eBay. Donc, bon, en particulier, je pense que ça vaut 70-80 euros à l'heure actuelle. Une Vita TV. Le problème c'est qu'il y en a, c'est pas tellement que c'est cher, c'est qu'il y en a pas beaucoup en fait. Moi je sais déconner, la seule que j'ai vue c'est la Moncage locale. 50 en enchère, bah ouais, mais ça va monter. Il faut vraiment que t'aies vraiment de la chance qu'il y ait personne dessus quoi. Parce que maintenant qu'elle est hackée, et que tu peux foutre quasiment le full set sur deux cartes SD, ça devient assez compliqué quoi. Ah, il reste 12 heures, ah, ça vaut le coup hein. Ça vaut le coup si elle monte pas, s'il n'y a pas d'acheteur, ouais, ça peut avoir le coup. C'est les gros lui. Oh putain, les patates de attends de voir, ouais, parce que tu sais, en général, ça monte à la fin, quoi. Moi, je sais que pendant des années, j'ai fait pas mal d'eBay à l'époque. Hein. Et les acheteurs, en général, ils sont un fufu, quoi, ils apparaissent qu'à la fin. Le son du jeu est pas trop fort pour vous, ça va? Sinon, je connais les bails. Il va se faire un chien, ça va. Ah ouais, ça aussi. T'as les mecs qui font monter les enchères comme ça, quoi, mais bon. Ouais, c'est vrai que c'est de la Vita TV, donc je te dis, ça son prix parce que voilà, ça reste quand même une belle machine. Tu peux streamer de la PS4 aussi avec, hein. Et je t'ai fait un con dans ta gueule. Et reset pas. C'est reset, c'est quoi? Ah, il pas reset. Et voilà. Ah, raté. Putain, mais il se fout de ma gueule, c'est mauvais.
Ah ouais, il se fout de ma gueule. Il pète dessus en plus, quoi. Le mec pète dessus. Chaîne de mauvais à la con. Il est où? Oh putain, il arrive à ta corde. Saloperie. Saloperie, moi. Ta vie à reset ou pas? Ah ça va, la vie n'a pas reset. Tiens, tu le veux ton contre en ta gueule? Putain, il veut pas crever hein. Il est tranchant hein, donc c'est un dégât. Putain de singe à la con. Là par contre c'est du Larcha. Ah du blé. Et il m'en faut pour faire de la... Ah non même pas, c'est du maïs. Putain. C'est du maïs quoi. Faux espoir. Arrache ta pierre, ça. Je préfère bouffer, ça. Il aime bien me caler les claques, hein. J'ai pas le bon tempo pour les contrats. Mais arrête de courir dans tous les sens. Mais tu vas venir ici, gros sac. Putain. Je vais pas te coincer dans mes... Eh merde, j'arrive pas à faire mes contres quoi. Pauvre Ricotta quoi. Putain, mais c'est... Possible. Je place aucun contre. Aucun, c'est pas possible. Je suis devenu une braie à ce jeu quoi. Ah quand même. Putain, je passe un contre, je rate derrière. C'est le problème. En Ricotta tu me coûtes cher, on va rester sur l'Aksha. La vie ne remonte pas dans ce jeu non plus. Elle remonte juste quand on n'est pas en donjon. Donc là quand elle va se mettre à l'arrêt. Voilà, c'est le seul endroit où sa vie remonte. Et c'est à 2 à l'heure. Et sinon en donjon sa vie ne remonte pas. Fait qu'on a le temps de prendre le café, tant que la vie remonte. Alors regarde dans mes trophées, j'ai vu qu'il me reste 3 trophées que j'ai pas fait sur Child of Light. Ah oui, Child of Light sur Vita, c'était sur l'écran OLED, c'était vraiment beau. Un bon RPG d'ailleurs en français de la Vita. Hein.
sinon il y avait quoi un jeu là, j'ai quelques jeux Vita sous les yeux. Tokiden, qui est en français. T'as Tokiden, ils étaient en français ou pas, j'en doute. Hein. Non. C'est l'autre qui est en français. Tokiden, ils sont en anglais, je crois. Freedom Wars. Oleshika, Tenten Bloid. Sword Art Online, mais que Lost Song. Parce que l'autre, le portage, il est foireux. Putain, je les ai là-bas, mais c'est écrit tellement petit. God Eater aussi. God Eater qui est bon. Enfin, je les ai là, les jeux Vita, mais je les ai pas tous. J'en ai la moitié ici, la moitié à mon autre appart. Little Big Adventure. Ouais. L'autre aussi était bien, comment il s'appelait? Celui où qui exploite tous les trucs de l'habitat. Et le petit bonhomme en papier. Putain, j'ai oublié le nom. Tearaway. Tearaway sur Vita, il est excellent. Ouais, j'avais compris, tu vois. Compris. Ouais, Tearaway aussi, dans le même genre. Ah putain. Okay. Donc c'est un jeu qui est IS-8 qui est multi-zone. Mais quand on regarde comment ils ont fait le jeu à l'époque, s'ils avaient eu les moyens, ça aurait pu être un open world. Parce que là-bas où vous voyez la fumée, c'est notre village. Donc tout est vraiment bien fait dans l'île, quoi, mais un multi-zone. Mais ça aurait pu être un open world s'ils avaient les moyens. Quoi. God of War Collection. Ouais, sur Vita, je les ai pas trop aimés, moi. Je trouvais que pour un beat'em up, ça passait pas. Je sais pas, j'ai du mal, moi, là. Je trouve que ça avait mal vieilli. Ça m'avait vite gonflé, moi. Après, je suis plus de l'école Bayonetta que God of War, moi, donc. Je me suis plus amusé à faire des Bayo sur Switch que God of War sur Vita. Quoi. Merde, j'ai pas le bon perso. Aïe. Tout le bordel là-dedans. Ouais, tiens. Putain, j'en prends plein, ouais. Oh non, pas un gros encore. Casse-toi, ça, je suis plus du cul. Vraiment ce bordel quand même. Salut Rosemary. Moi je l'avais commencé sur Vita. Sur Vita, sur Switch, le Tales of, ouais. Le portage était vraiment bon, surtout qu'il y a eu des patchs entre temps. Les petits défauts qu'il y avait de ralentissement ont été arrangés entre temps. Putain, arrête de me coller des baffes quoi. Et ils vont me la tuer, Ricota, à force, hein. Je prends de cet attaque à la gauche à chaque fois. Double cœur, tu vois, notre jeu. Avec Adol, tu fais moins le malin, quoi. Ouais, moi j'aurais dit, j'ai quand même pris le cap dans la gueule. C'est des patates qui te fout quoi. Allez, vas-y, pète-moi sur la gueule. Une para quoi.
MP qui te paralyse, quoi. Il doit trop bien vénère, quoi. Ah, mais vas-y, tape-moi avant que je me remette debout. Je te dirais. Il n'a pas Horikota, il reste plus de PV quoi. Ça fait démolir quoi. Ok, une sortie par là. Ça doit être par là d'ailleurs, je pense, le truc. Dragon Quest Builder. Le premier était sorti sur Vita aussi, Dragon Quest Builder. Et sur Switch, on a eu le 1 et le 2. Mais je m'y suis jamais vraiment mis, quand même. J'avais commencé le 1. J'ai eu le 2, d'ailleurs, j'ai acheté le 2. Il était en promo sur Micromania, je me rappelle. Mais ouais, je m'y suis jamais vraiment mis. T'as World of Final Fantasy aussi, qui est très bon. Qui est sur Switch et Vita. Pareil, c'est un jeu Vita à la base, ouais. World of Final Fantasy qui a été adapté à Vita. Un nouveau endroit a été découvert. La colonne de pierre. Migoto na keshiki d'ailleurs. Alors, le seul jeu que j'ai eu et qui m'a déçu sur Vita, c'est Dungeon Hunter. Dungeon Hunter, c'est le hack and slash mobile qui a été adapté sur Vita. Je l'ai celui-là. Effectivement, c'est très moyen. Je dirais pas que c'est mauvais, mais c'est moyen. Quoi. Ça se voit que c'est un jeu mobile qui a été porté sans conviction. Quoi. Là, c'est clair. C'était un jeu Game Loft de mémoire. Hein. Je dis pas de conneries. Alors, toi, qu'est-ce qu'il nous fait, quoi, espèce de singe à des balles. Ça me fout très loin. Où tu crois aller comme ça, toi? Lakshah m'a cassé le nez. Ah, les loulous de Okami. Zut de zut.
On est encerclé. Bon sang de bonsoir, tomber sur une meute de lourds dans un endroit pareil. On est dans de beaux draps, mais si on les écrase les uns après les autres, ça devrait le faire. Ouais. Maté, maté, maté! Vous avez fait du bruit, alors je suis venu. Enfin, je rencontre du monde. Oh mon dieu. Il dirait que vous avez un petit problème. Laissez-moi faire et allez vous mettre à l'abri. Des renforts, les impudents. Diantre. Allez-vous-en. Allez, partez. Ouais. Il a l'air assez turbulent. Moi, j'aurais dit plutôt que c'était un glander. Mais... Et un nouveau. Salut MPJ. Bienvenue à toi sur le live. Ah, vous étiez en danger, hein. Seulement grâce à moi tout s'est bien fini. De sincères remerciements, Saint-Paul. J'avais plutôt l'impression que c'est nous qui nous en sommes débarrassés. Quelle grossièreté! Voilà bien des paroles d'un homme du peuple. C'est quoi ce prétentieux? Bah, en tout cas, l'important c'est que nous soyons bien sortis. Et maintenant, il explique la situation à ce jeune homme. Ah! Austin. Tu m'en vas ravi. Allez, petit screen quand même, chaque fois que je trouve un naufragé, pour le souvenir. Ah, un aristocrate. Obeete tsumori wa nai. Enfin, oboeru tsumori wa nai. Ah, pour tout ce qui concerne la peinture, la sculpture, la poésie, le théâtre, bref, tout sauf la musique. Ouais, c'est ça, casse-toi. Il te parle d'où les autres Twitch si tu veux. Non, tout le monde est sur YouTube, Emeril. Je réponds aux commentaires. Hein. Non, vous êtes tous sur le chat, là, vous êtes 8 à l'heure actuelle. Tout le monde ne me parle pas, mais vous êtes 8. 7, pardon. Austin a rejoint le village de naufragés. MPJ est venu et parti, je sais pas. Que c'est vrai que sur YouTube, comme je fais du gameplay, les gens restent pas forcément à regarder des gameplays sur YouTube, c'est plutôt Twitch, mais le problème c'est que moi sur Twitch, je me fais ban le premier soir si j'y vais, quoi. Je passe pas moi sur Twitch, il y a trop de censure avec mes layers, hein. Je me fais strike la chaîne vite fait, bien fait, quoi. Je vois pas ce que j'écris. Ah! Mais tu le vois pas pourtant, c'est marqué sur la vidéo. J'ai mis un layer qui fait apparaître le chat normalement, mais ça disparaît au fur et à mesure. Hein. Tu vois pas le layer sur la vidéo quand t'écris toi? Normalement, tu vois les autres qui crient, mais ça reste affiché 5 secondes quoi. Normalement, il y a le layer sur la vidéo. C'est pour justement que les gens qui regardent les replays ne soient pas obligés d'ouvrir le chat du direct en même temps. C'est pour ça que j'ai mis un layer rien que pour que vous puissiez lire sans forcément avoir le truc ouvert. Ah, tu vois pas les autres, hein. Ah, c'est étonnant ça. Attends, c'est bizarre. Normalement tout le monde marche. Hein. Ah, normalement j'ai écrit, tu devrais le voir en décalé.
Ouah, des cailles. Avec les fameux fossiles, c'est là qu'on va trouver le minerai pour faire les armes, pour battre les Kodaishu, les créatures antiques, très bien posé. Les Kodaishu. D'accord, ouais, c'est bizarre. Hein. Et les autres sur le chat, vous voyez ce que vous écrivez dans le layer de la vidéo ou pas? C'est étonnant ça. T'es le premier à faire cette réflexion là, faut que je vérifie. Je pense pas que j'ai décoché quelque chose. Salut Mikado. Alors toi non, tu vois tous les commentaires. Hein. Et là Mikado vient d'écrire, tu le vois pas Emery? Le minerai qu'on doit aller chercher, il est là. On va affronter un boss. Vous voulez s'imaginer la gueule du boss? Ah, c'est bizarre que tu le vois pas, hein. Parce que normalement, ça s'affiche dans la vidéo. Ça s'affiche soit dans les commentaires. Essaye de fermer la page YouTube et de rouvrir peut-être à part le chat. Tu regardes sur quoi, d'ailleurs? T'es sur téléphone, non? Téléphone. Ah ben c'est bon, tu vois. C'est que t'as dû avoir un bug sur Android ou iPhone, je sais pas sur quoi t'es. Parce que justement c'est l'avantage, je vous ai mis ça pour que vous puissiez lire les commentaires des gens sans avoir à ouvrir sur une fenêtre de téléphone, déjà que c'est petit. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces layers là, donc si ça marchait pas ça me faisait un peu chier quand même. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent sur téléphone ou tablette. Hein. Pour une fois que l'outil YouTube sert à quelque chose. Donc je sais que beaucoup me ratent comme ça. Salut Wistem, bienvenue à toi sur le live. Donc ce soir on est sur du RPG, on change un peu, c'est vrai qu'on a fait du FPS pendant deux jours. On alterne un peu, j'espère que ça vous convient. Il est déjà parti là-bas, toi. Ah, on arrive bientôt au fight. Toum, 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 toum.
Je vois qu'il y a du farm sur ce jeu. Moi qui adore le farm, des compos. Mais ce jeu, il a tout, quoi. Tout ce que t'as pu aimer dans un JRPG, il y est. Donc, c'est-à-dire, t'as un combat action RPG qui est vraiment... Mais tu l'as vu, action RPG qui envoie énormément du taquet. T'as beaucoup de skills passifs, de skills actifs. Donc, les skills des techniques, tu les as là. Plus tu les utilises, plus ils augmentent. T'en apprends de nouvelles, tu as loot dans des grimoires, donc c'est ultra complet sur ça. Au niveau du stuff, t'as beaucoup de stuff d'équipement avec énormément de caractéristiques, anti-poison, anti-tonnerre, etc. T'as des skills de terrain, si tu connais certains RPG avec des skills de terrain, c'est-à-dire que t'as la map où tu peux pas aller, comme t'as vu que je marchais sur l'eau tout à l'heure, que tu débloques au fur et à mesure, donc t'as des skills de terrain. T'as des skills aussi de... T'as un village, le village au début il a rien, tu le construis avec les naufragés vont apporter par exemple de la couture, de la forge, du troc, donc plus tu vas faire du housing, plus ça va s'agrandir. Les personnages en eux-mêmes, après t'as des attaques de fort, c'est-à-dire que ton village se fait attaquer, donc t'as des défenses à aménager, donc tu peux construire des défenses que tu vas augmenter avec des compos de craft. T'as du craft pour tes armes, du craft pour tes armures. C'est impressionnant quoi, t'as énormément de choses quoi. Ils ont été ultra généreux avec ce X8. Et même le X9 qui va sortir est moins bon quoi. C'est le plus complet le X8 franchement. Et sur Vita, il est bien, honnêtement. Il rampe pas tellement, il est beau. C'est un beau jeu Vita, quoi. Tu le vois d'ailleurs que c'est un jeu Vita à la base. Hein. Et surtout, il est tactile. Donc, en plus, t'as l'interface tactile sur la Vita, qu'il n'y a pas sur la Switch. Ouais, Augustin, c'est X8. Je l'ai pas eu. Un jeu PS Vita qui a été sorti sur PS4, sur Switch et sur PC. Donc si, voilà, si t'aimes l'action RPG, si t'aimes l'univers manga et le shonen, c'est pour toi quoi. Il y a tout là, ce jeu, je viens de le décrire, il est impressionnant quoi. Il a un contenu assez gargantuesque. Le seul truc qui lui manquait, c'était les moyens quoi, honnêtement. Quand tu vois même la map, hein. Là, tu vois à l'heure actuelle, la map, lui je l'ai fait à 100%. Voilà, attends, hop, hop, voilà. Là tu vois la map, je suis à 40% de l'île. Et puis aussi, t'as l'histoire qui est énorme, c'est-à-dire que ça va être sur deux timelines. Une timeline dans le passé, une timeline dans le présent qui va influencer, qui vont s'influencer respectivement, c'est-à-dire que ce que tu vas faire dans le passé va se répertorier, etc. Avec l'histoire de Dana, au début qu'on la croise que dans les rêves de Adol. Non, franchement, c'est un super RPG, quoi. De toute façon, je vais pas te mentir, je préfère les jeux sur Vita s'ils sont sortis sur les deux. Oh, mais de toute façon, sur Vita, il est très bon. Hein. C'est un jeu Vita à la base, hein. Donc t'as pas de souci à te faire. Le seul inconvénient, c'est que la version Vita, il manque des donjons et des transformations de Dana. Parce que quand tu joues Dana, t'as des donjons spécifiques ou si tu veux, ils ont. T'as remarqué que dans le système de combat, t'as du Shifumi, c'est-à-dire que t'as des attaques tranchantes, contondantes et transperçantes. Et en fait, t'as les ennemis qui sont soit immunes, soit faibles à certains trucs, donc c'est du Shifumi. Du Jiren Kenpong, j'aimerais, si tu préfères. Et sur Vita, Dana ne l'avait pas dans certains donjons. Et en fait, t'as des transformations de Dana qui lui permet d'avoir les trois attaques, hein, qu'il n'y a pas sur Vita, et quelques donjons. Mais l'histoire principale, tu l'as sur Vita quand même. Hein. C'était arrivé avec le contenu de la PS4, hein, qui était sorti. L'adaptation PS4 était sortie après la version Vita au Japon. Et nous, on a eu droit en Europe. Car la version Vita classique qui nous avait pas mis le contenu n'a jamais été rajouté.
C'était du contenu PS4, PC et Switch. Toutes les musiques, je vous ai mis un bande-annonce de ma chaîne, tous les openings des Is, c'est un grand point fort de la licence, c'est que toutes les musiques, ce sont des tueries de Is. Et puis c'est un jeu à gameplay, c'est ça qui est bien, c'est pas un jeu qui est no skill, quoi. Parce que là, je joue à normal, vous voyez, je me fais péter la gueule, je suis à normal. Et t'as 5 ou 6 niveaux de difficulté, quoi. Donc, c'est un jeu vraiment où tu peux prendre du plaisir, quoi. Ça peut être vraiment très dur, quoi. Donc là, j'ai fameux récupéré le... Jusqu'à maintenant, il y avait les Kodaishu, donc les créatures antiques que je pouvais pas battre. Et à partir de maintenant, je vais pouvoir forger des armes qui vont me permettre, justement, de pouvoir les tuer. Donc on se promène sur l'île, etc. On débloque des trucs au fur et à mesure, des endroits où on peut pas aller. Il faut des skills de terrain, il faut des compétences, il faut des naufragés pour ouvrir. Enfin voilà, le jeu a été vraiment bien prévu, quoi. C'est un jeu qui pousse à l'exploration, quoi. Ouais, je suis sur Switch, là, Emery. Mais je l'ai sur tous les supports. J'ai tellement aimé ce jeu que je l'ai sur... Collector en Vita, PS4 Definitive Edition, c'est la version qui était sortie de base avec Estrade OST, etc. Collector sur Switch et version PC démat avec le dernier patch qui le rend vraiment excellent parce que quand le jeu est sorti à l'époque en 2018, dans le début 2019 je crois que sur PC, il était complètement buggé et pas optimisé du tout. La version Vita, on me dira que c'est la moins réussie à l'heure actuelle des portages parce que il y a de l'aliasing. Alors ils ont fait le choix de pas mettre les textures floues, mais par contre le jeu est pourri par l'aliasing, ça c'est vrai. Mais bon, sur Vita il y a énormément d'aliasing, mais bon c'est normal, on était sur Vita. Mais toi tu verras sur Vita, c'est le jeu de base donc il est très bon quoi. Moi j'ai fait toute l'aventure, j'ai pas eu de soucis sur Vita. Non, je te dis, le jeu est fait pour. Après, c'est sûr que tu l'auras moins net que sur Switch, hein, ou PS4 ou PC, ça c'est sûr. Hein. Mais vu que le jeu a été pensé pour la Switch, enfin la Vita à la base, le jeu est beau quand même. Après, t'as pas les herbes qui bougent, etc. sur Vita. Voilà, c'est un jeu Vita. Mais tu prendras du plaisir en portable, surtout sur l'écran, t'as une OLED, toi. Tu vois vraiment. Moi, je l'ai fait sur OLED, il était très beau. Rosemary qui nous dit, il me semble que Nintendo a modifié ses Joy-Con sans rien dire, j'ai dû en racheter, je me suis aperçu que les sticks sont plus rigides. Ah, ça paraît étonnant, ils ont tellement des procès au cul, Rosemary, qu'ils aient modifié les Joy-Con sans prévenir. Mais c'est peut-être possible. Hein. Donc là ils nous disent de retourner, voilà, minerai de métal écarlate. Alors j'étais persuadé qu'il y avait un boss à affronter. Peut-être plus tard. Donc on va faire un TP en ville. Ah tu vois l'avantage quand tu joues en Vita, quand tu appuies sur la map avec le doigt, t'as la map qui s'ouvre comme ça. T'as plein de raccourcis en tactile que j'aurais aimé retrouver sur la Vita, c'est sur la Switch. Et j'ai pas compris pourquoi ils ont pas fait des commandes Il y a la quoi Ricota là de nouveau. Alors, il me dit que j'ai un nouveau skill, mais. Ouais, alors. J'ai quoi de nouveau? Triple vague. Ascène 3 frappes hein, explosives. On va le mettre à la place de lui, tiens. Je vais poser des pièges, c'est pas que ça me fait chier. Donc là. On voit qu'à certains endroits, t'as envie d'y retourner, tu vois, parce que.
Là, je l'ai fait à 100%, lui. 17 coffres, 29 collectes. 100%. Là, tu vois, il me manque 0,4%. Bon, je sais pas où j'ai oublié 0,4% ici. Là. Juste là. Alors, juste pour ça, on va y aller. Non. Je sais pas pourquoi, parce que là, elle est tactile, cette putain de console. Et je sais pas ce qu'ils foutent, ils le font pas. Je trouve ça complètement con. On y va par où là? On peut pas y aller par là, je crois. Je crois qu'il faut faire tout le tour en plus, quoi. Oh le bordel. Ah, faut faire tout le tour. Oh putain, faut faire tout le tour, quoi. Là, faut faire tout le tour. On va revenir, quoi. Rosemary qui dit ce jeu est ultra long, je me suis aperçu qu'on pouvait pêcher des coffres. On peut pêcher ouais, mais il est très long ce jeu, hein. Enfin, il est très long. Je pense que pour tout faire c'est à 60 heures. Mais tu te lasses jamais quoi. Tu te lasses jamais quoi. Il est tellement bon. Mais je te dis moi c'est la troisième fois que je le refais. Et je le referai encore une fois sur... Je le referai encore une fois sur PC. La version PC, je ne l'ai pas encore refaite. Faut que je vous la montre. J'avais commencé à vous la montrer dans un live à l'arrache complet. Où j'avais fait carrément les deux écrans. Je sais pas si quelqu'un était là quand je l'avais fait. Je m'étais fait chier quoi. Mais c'était pas très optimisé. J'avais ça à l'arrache. Est-ce que c'est par là? Je sais plus c'est qu'il manque des pourcentages. Ah c'est l'autre côté en fait. Je suis pas du bon côté là. Est-ce que je pourrais y aller de par là? Putain je sais jamais quoi. Ouais si, on continue. Tout ça pour faire le 100%. Hop là. On m'a vu c'est qu'il devait y avoir un truc avec des marécages. Les musiques de ce jeu. Je sais comment créer des appâts, oui. Tu vas voir Dina et c'est du trad en fait. Là les appâts, tu vois, j'en ai 44. Hein. Donc tu peux le looter. Mais tu peux aussi en fabriquer chez Dina. Je te montre ça tout à l'heure, ok? T'avais le système de trad. Bon, si t'as pas trouvé Dina, c'est normal que tu peux pas le faire pour l'instant. Il faut que t'aies retrouvé Dina, toi. Dina, c'est... je te montre Dina personnage, c'est elle Dina. Ouf, oui il y a beaucoup de naufragés. Alors, je te dirai plus combien il y en a exactement, mais il y en a beaucoup. Tu peux le voir déjà là, carte X. Ah tu vois il faut 20 personnes et je suis à 13. Donc il me semble qu'il y en a un peu plus d'une vingtaine ou 20. Déjà 20 c'est sûr. Et ce qui est bien c'est qu'ils ont tous une histoire quoi. Non, je vais pas par là moi. Il faut que j'aille par là. Tac 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 tac. Donc je monte là. Hop. Ok, je comprends mieux pour l'instant. Ça va les DLC que j'ai pris m'en ont donné 300. Ah, t'as pris carrément. Tu disais, ouais, mais c'était toi non qui avait payé, t'avais économisé tous tes points de l'eShop, c'est ça? Pour t'offrir le jeu.
Donc t'en es où à peu près là? Dans le jeu? T'as combien d'heures là? Tu dois être au début je pense. Ouais, donc n'hésite pas si t'as des questions. Hein. Ça me fait un plaisir de te le dire. En tout cas j'espère que t'aimes pour l'instant. Empoisonné. Antidote. Est-ce que c'est par là? Non. Il faut que je passe. Bon, je pense que les deux doivent y arriver. Mais je pense qu'on peut pas descendre par là, ouais, c'est ce que je pensais. T'as trouvé, ouais. T'as trouvé Sahado. Un barbu. Un gros barbu. Lui, en fait, il a... Mais t'as les trois personnages, mesdames. T'as Adol qui tranche, Dana... Laksha qui transperce, et Sahad qui écrase le Konton Dan. Ce que je disais, c'est le fameux système de combat Shifumi, quoi. Donc là, tu vas pouvoir commencer un petit peu à voir tous les cas de figure. Donc n'hésite pas aussi à faire un triangle, X, pour... merde, je claquais ma super. X te permettra de sélectionner le personnage et de voir leur point faible. Et les attaques, tu les vois. À côté du nom, t'as la petite icône qui dit que elle, c'est du Konton Dan. J'ai claqué une super pour ça, quoi. Le petit. Donc c'était pas par là. Et tu vas vite en trouver des naufragés de toute façon. Hein. Tu verras que pour avancer sur la map, il te faut des naufragés pour ouvrir certaines routes. Hein. Tu le verras quand tu auras le commandant, Little Paro, etc. Pas trop te spoil. Mais même, de toute façon, tu capteras pas trop, donc ça sera pas non plus du gros spoil. Là, je suis pas dans une grosse phase de spoil, là, pour l'instant. Mais c'est vrai que t'as pas encore vu Dana, toi. T'as dû peut-être juste la voir dans un flashback, vite fait, à... En couleur... En couleur, un genre de blanc et noir écran fixe. Et encore, c'est pas sûr, quoi. Ouais, j'étais un peu violent avec le trash mob, j'avoue. Passe par en haut, je pense. Je suis revenu au début, quoi. Je suis devant le village en fait, c'est où la map qui me manque? J'ai l'impression que je tourne en rond là, ça c'est la sortie du village. Qu'est-ce que j'ai raté comme porte? Et c'est vraiment la zone de départ où j'ai oublié quelque chose pour faire le 100%. J'ai oublié un morceau à la con.
Ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va aller faire là. On va aller voir. Ouais, on avait le Vendotta nous aussi. Mais bonjour à toi, et si tu bloques, si t'as des questions, n'hésite pas. Là, je vais en profiter pour montrer Emery là. Là, vu que je vais pouvoir sauvegarder. J'y me trouverai Ocean Horns 2. Mais ça marche, pas de soucis Rosemary, bonjour à toi. Salut Didiou, bienvenue à toi. La domination à la conquête de la jungle a été ajoutée. Donc là on voit qu'on avait de la contre-attaque et maintenant on a de la domination. À mon avis, j'en ai pas assez. Donc pour l'instant, j'en ai pas assez. Dominer la jungle, c'est en cours. Donc oui, tout à l'heure, c'était Rosemary qui m'a demandé, mais entre-temps, il est parti. Pour avoir les... Pour avoir les appâts, en fait, c'est Dina, donc c'est dans échanger et dans article rare. Et on voit que pour les fabriquer, les appâts, il faut de la viande rouge et de la viande blanche.
Non mais c'est bon, j'ai plus que la défense à faire. Parce qu'elle me le fera pas sinon. Au niveau des équipements. Est-ce qu'on a des choses pour Licota? Non. Allez, on va faire une petite sauvegarde, une petite pause café. Et après, je montrerai à Didju Ocean Horns 2. Et là, j'ai toujours pas fini. Si. Alors, qu'est-ce qu'il va me créer? De l'eau révigorante, cool. Faire l'or vigorante qui augmente de 50% la jauge du multi, mais c'est toujours avec des bouteilles forcément. C'est vrai que Ricotta elle est un peu à la bourre au niveau level. Un peu remonter dans les niveaux. Hop, on va faire une save manuelle. Et on va faire une petite pause de 2 minutes et on changera de jeu. Allez, je reviens dans 2 minutes. À tout de suite.
heureux là-dedans. Hop. Ah. Alors, j'avais dit que je montrerais Emeril. D'ailleurs, je l'ai testé cet après-midi, c'est pas mal. Mario Kart Live. Je l'avais pas encore testé. Alors, Ocean Horns. Tu vas voir, Emeril, c'est vraiment un plagiat de Zelda. Mais qui est vraiment bien foutu. Bon, il va falloir que je me réhabitue aux touches, comme d'habitude, ça va être la galère. Alors. Bienvenue au Granny, le point de vue le plus prisé. Alors là, il me semble que j'y étais allé. Ah bah, tu vas voir, c'est justement. C'est du Zelda-like, mais vraiment bien fait. Et super joli pour de la Switch. À la base, c'était un jeu exclusivité à Apple Arcade. Comme le premier d'ailleurs, qui au final après est sorti sur les autres supports. Mais là, pour l'instant, il est disponible que sur Apple et Switch pour l'instant. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce. Je vois qu'il y en a déjà 4. Hein. Hop là. Ce qui te fait, voilà, ce qui fait vraiment penser que voilà, hop. C'est vraiment du Zelda quoi. Salut Julien. T'es en train de le faire aussi? Sur Switch? Moi je suppose que c'est sur Switch, il était là, ouais, c'est pas sur Apple. Sauf que c'est très 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 beau pour la Switch. Je vais te montrer un peu là, au niveau de l'eau. C'est bluffant comme il est beau ce jeu. Quand tu vois à côté des portages dégueulasses, pas texturés, effet de flou, là t'as tout quoi. T'as de la particule, t'as du volumétrique, regarde là, t'as le vent avec des particules, de la poussière. Les herbes sont animées. Les textures sont détaillées. Alors, quand tu rates de près, c'est pas de la texture dégueulasse. L'eau est super bien faite. Alors franchement, ouais, c'est vraiment un bon petit jeu, quoi. Ouais, tu vois, Julien, la qualité graphique, c'est le premier truc qui saute aux yeux dans ce jeu. On est vraiment sur le haut de la Switch, quoi. T'as les effets, les détails sur les personnages et tout. Les animations font très... C'est ça qui fait bizarre, c'est que c'est très rudimentaire au niveau des... Tu vois, le personnage, il est figé, quoi. Il a le regard figé. Mais par contre, voilà, quand il y a du vent, ses cheveux, ils bougent. T'as des reflets de ouf sur ses habits, quoi. Les ombres projetées, qui sont super bien faites, qui sont nettes. C'est pas une bouillie d'aliasing ou de pixels. Même les reflets sur le robot, quoi. Selon comment tu regardes, ça se reflète. Hein. C'est des petits détails, mais en général, ça sur Switch, il l'enlève quoi. Après, c'est voilà, c'était juste pour te le montrer, comme je sais que tu l'avais pas vu celui-là.
C'est vraiment un gros coup de cœur, si t'aimes les Zelda. Mais avec qui souhaite un apport hein. T'as un apport 60 heures. Alors, bibliothèque. On va voir ce qu'il y a dedans. Ah, c'est... Pour les fans de Zelda, honnêtement, c'est un bon Zelda-like, quoi. Ça ressemble beaucoup à... Au début, j'aurais dit Wind Waker. Et plus j'avance, plus je dirais Twilight Princess. Ça ressemble beaucoup à TP, quoi. Espace silencieux. Il doit y avoir quelque chose derrière parce que j'ai eu un léger bug de texture. Livre d'or de la bibliothèque de Pirta. Bec mou, cerf d'argent et rouge plume. Soit séant, tête dure, clairbille. PS, je vois, il y a un trésor caché dans cette bibliothèque. Ouais, tu vois, je l'avais vu le trésor caché. Ah, par contre, comment on l'actionne ça? Les aventures d'Elde Myrtille. Il doit y avoir un secret, mais alors pour le déclencher, on voit une espèce d'escalier là. BCRST, non. Je pense. Ouais, je sais pas ce qu'il doit y avoir une énigme ici, mais alors pour les stamps. Je vois pas ce que ça peut être l'énigme. Je vois qu'il y a des petites pancartes là. Non. On voit bien qu'il y a un escalier. Alors comment le faire à descendre ça? On peut peut-être grimper tout simplement. Ouais, voilà. Tout simplement. Hop. Des fois, on cherche compliqué alors que. Il suffit de grimper. Alors. Ouais, je te dis, ils ont. C'est vraiment du. Du gros hommage à Zelda, quoi. Parce que tu vois, dans les options, c'est pareil. Tu trouves des quarts de cœur, tu vois. Quand t'as trois quarts de cœur, ça te rajoute un cœur entier. Tu peux voir qu'au niveau des armes et tout, t'as la bombe, t'as le pistolet. Plus tard, il y aura le grappin. Ouais. Franchement, c'est un coup de cœur pour l'instant. Alors par contre, j'ai vu des testeurs qui l'ont défoncé le jeu. Qui ont dit que c'était trop mou, ça décollait jamais, c'était pas intéressant. Donc moi pour l'instant je suis hypé mais voilà, j'ai pas fait grand chose hein, du jeu. J'ai fait exactement, je crois que j'ai fait 30%, même pas, entre 25 et 30% du jeu. J'ai vu un aventurier partir en direction de la tour dans la jungle, celle qui abrite un ancien artefact Oru. Ne monte pas sur la table. La légende dit que sous la protection de Naito, le cocon a donné naissance aux tribus des Oru. Des Horus plutôt, je pense que c'est. Il faut le prononcer à. Des Horus. Les divisant la caste guerrière et celle des érudits, au début tout allait bien, mais un conflit a commencé. Les tribus étaient en désaccord au sujet de leur rôle supposé pendant la guerre de Dirfolk. Et le ressenti issu de cette époque n'a jamais été abordé. Aujourd'hui, les Horus sont divisés, un conflit religieux s'ajoutant aux différences politiques. Je l'avais vu le bug de texture à travers le truc. Ça a légèrement clip.
Allez, le petit coffre des familles. En tout cas, moi, pour l'instant, je suis hypé. Donc, je sais pas si Julien est toujours là et si pour l'instant, lui, il est hype aussi. Il en est à 76% et c'est de mieux en mieux. Donc, tu vois, je suis en train de relire les messages en retard. Donc, ouais. Pour ça, j'ai pas beaucoup d'éclat, c'est un peu la déchouille. Ouais, c'est un bon petit jeu sur l'eShop ça. Le premier d'ailleurs, Emeril, était sorti sur Vita. Tu peux le choper sur Vita, le premier Ocean Horn. Il était pas du tout comme ça. Hein. Il était plus, plus humble au niveau de la réalisation, mais voilà, quand même très beau et déjà un hommage à Zelda. Mais en 3D isométrique. Hein. Là, ils ont fait des gros progrès au niveau de la. Oh putain, il y en a un là-bas quoi. Alors je sais pas comment on y monte là-bas. Pour le coup. Ça, normalement, c'est pour, pour débloquer les sorts de magie ça. Cristaux de sang. Océan, comme ça se prononce, c'est Horn, H-O-R-N. Normalement, le premier, tu le trouveras facilement sur Vita. La jungle profonde, grande forêt de Pirta. Ah, c'est... Tu es un bon site. Chief of the Eye Clan and his goons must have a hideout somewhere in the jungle. Thugs in the jungle. Bad combination. We made it. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu quand même.
Ah, franchement, c'est une réussite, hein. C'est presque le jeu où tu vois, où tu as envie de prendre ton temps, d'avancer vraiment. Okay, where from here? Look, a chest. Yes. Tu obtiens une fiole de glace pour le canon sorcier. Elle contient 5 unités de sort au maximum, mais sa capacité peut être augmentée. Récupère des matériaux de glace pour la remplir. Donc là, maintenant, j'ai l'électricité, la glace et le feu. Ouais, ça parle en anglais, mais tout est en français. Mais bon, pour l'instant, il est disponible que sur iPhone, enfin Android, iPhone, sur Apple et sur Switch pour l'instant. Mais je pense que c'est un jeu qui arrivera sur sur PS4, One, etc. Oh putain! Ah, par contre, on est un peu coincé, il va falloir utiliser à mon avis la magie de glace. Sinon, je vois pas comment on pourrait aller plus loin. La classe, quand même. On va peut-être aller ici. Hop là. On voit que là-bas il y a encore un cristal. Putain. En plus, t'as une replay value, c'est vraiment comme un Zelda-like. Tu reviens un peu à la Metroidvania. Quand t'as débloqué le pouvoir, tu reviens en arrière, quoi. C'est vraiment super bien fait, quoi. Pareil, je sais qu'avec le trailer, bientôt, je pourrai aller sous l'eau avec le scaphandre. Là, pour l'instant, tu vois, je suis très limité au niveau de l'autonomie. Mais après, quand j'aurai le scaphandre, je serai plus emmerdé, quoi. Est-ce que je vais pouvoir aller le chercher? Ça me crevait. Hop là. What is that thing? Is it a fish? Oula. Il y a quelque chose qui m'a attaqué. J'ai même pas eu. Défi terminé. Ouais, je sais plus ce que c'était. J'avais un défi. Wow, what a view. Forest Shrine is one of the wonders of the known world.
Ah bah la mienne elle dort hein. Ouh, tu es fatigué, toi. Ouais, c'est une mamie aussi, maintenant. Hein, hein? Tu es une mamie. Ouh, tu es une belle mamie, quand même. Mon hein? Petit belle, ma fille. Mais tu verras, la tienne, elle se calmera quand elle prendra de l'âge aussi. Hein? Même si c'est quand même, toi, une race qui bouge toujours. Ouais, c'est ça. Maya était comme ça au début, moi aussi. Hein. Moi, au début, même, quand on était allé la chercher à la SPA, elle avait à peine un an, quoi. Elle ne dormait jamais. Parce que c'est, on pense que c'est une chienne qui avait été abandonnée. Mais c'était un cadeau de Noël. Ça, c'est quasiment sûr. Parce qu'elle a été traumatisée pendant un moment. Dès qu'elle entendait une voix d'enfant, elle cherchait partout, quoi. Et elle a été abandonnée en plein été, donc achetée à Noël et abandonnée en été. Et pendant presque un an, on l'a jamais vue dormir. Elle avait peur de s'endormir parce qu'elle avait été abandonnée pendant son sommeil, sûrement. Et pendant un an, la pauvre, elle ne dormait jamais, quoi. Alors, je peux te dire que depuis, elle a rattrapé, quand même. Mais ouais, putain, petite, quoi, elle ne dormait pas, la pauvre. Elle avait peur que si elle s'endormait, qu'elle allait être abandonnée, quoi. Et que maintenant il ronflait, tu peux y aller, quoi. The feathered ones are fast, not as fast as me. Ma bombe elle est un peu tombée quand même. Il est tombé quoi. Ending combat mode. Ah oui, je te regardais. Tu ronfles. Tu ronfles mon bébé. Thank you.
abandoned Auru homes. Something drove them away from the jungle. It looks like this place was abandoned in a hurry. They said it was Chora Took, Firebird. Il y a, alors, toujours, tout est derrière, il y a bien la langue PAC, mais je sais pas comment l'activer. Tu installes tout normalement, je sais pas si tu as du VPK ou du truc classique. Hein. Et quand tu lances le jeu, et il te proposera option et tu choisiras la langue, choix des langues. Hein. Donc je sais pas toi si c'est de l'install ou du... je sais pas comment tu récupères tes ISO de Vita. Mais normalement, ouais, quand tu as des DLC installés, c'est au menu d'accueil que tu peux choisir la langue. What is that thing? Is it a fish? Là, c'est que c'est pas reconnu, alors, le fichier langue. Normalement, quand tu le lances la première fois, il te demande... essaye de lancer une nouvelle partie et regarde s'il te demande pas la langue. Mais normalement, il te le demandait, la langue. Normalement, c'est dans les options. Avant de lancer le jeu. Il va reconnaître... Normalement, il reconnaît le pack de langue. Et il te demande, voulez-vous... dès que tu as un écran noir qui te dit langue parlée, langue écrite, c'est que sinon, ton DLC n'est pas installé. Regarde si tu dois pas l'installer ton DLC. C'est sous quel format que tu l'as chopé ton DLC. En route vers la tour. That tower would make for a good hiding place. Only one way to find out what's in there. Cactos. Oh, c'est shoot comme. Ouais. Alors c'est bizarre que les packs de skins marchent et pas le pack de langue. Peut-être qu'il faut que tu l'installes le pack de langue. Je sais pas. Je l'ai pas craqué moi celui-là, donc je peux pas te dire pour le coup. Judging by the canned food, it must have belonged to some Arcadian adventurer.
Putain. Is that it? I think we're clear. D'accord. Alors, c'est mon journal d'aventurier où la fièvre joue des tours à mon cerveau. La carte avait raison, le trésor est issu, j'en suis certain. Le mur à l'est cache un tunnel secret. Je vais pouvoir utiliser l'explosif que j'ai apporté. Ah bah t'auras la tenue de pirate de Laksha alors. Peut-être. Ça marche, ça, Emery. That's one big boulder. From the looks of it, someone blew up the wall and got a nasty surprise for his trouble. Pourquoi il saute pas?
Oui, mais t'inquiète, après t'en as pas. Enfin, t'en as que entre les zones. C'est le premier gros chargement qui est long. Après, entre les zones, c'est pas forcément ultra long non plus. Quoi. Enfin, moi, en même temps, je l'ai sur cartouche, je l'avais pas en hack, donc... normalement, ça devrait aller même plus vite. Hein. Tu le sens, le truc? J'allais te dire, ça va faire comme Indiana Jones, le truc. Oh. Mais en même temps, quelle idée aussi. Couillonne, va. C'est pas grave, elle va ressusciter Rad. Tu sautes un peu dessus. Tu fais des roulades magiques. Elle est debout. Voilà, tu vois. Tu as ressuscité. Ouais, c'est ça. Tu peux mettre les voix jap sous-titrées français, madame. Tu vas te régaler. Normal, ça passe, c'est ce que je suis en train de faire. Des fois, tu te fais péter, mais normal, tu vas t'amuser. T'auras un petit peu de challenge sur les boss, et après, sinon, tu avec du farm, ça passera. Difficile, ça sera vraiment difficile. Hein. Ça sera pas le mode promenade. Hein. Après, voilà, si t'es habitué à un chier et que t'as du skill, y a pas de souci. Moi, je suis mon skill. Hein. En live, il n'y a pas moyen, quoi. Je suis tout le temps en train de regarder le chat, donc après, tu peux tenter le mode difficile, hein, mais je crois que tu peux le changer à la volée, le niveau de difficulté, je sais plus. Je sais plus, pour le coup. Je ne me rappelle pas. Ah, il peut être très dur le jeu. Yeah. Le grappin. Ah, c'est sacrément la classe quand même, dis donc. That looks like an ancient Auru artifact. Look around and see if there's something you can test it on. Come, let us go back. We need to find Ambassador Iron Talon and the Emblem of Earth. Right. Those crooks must have a hideout somewhere out there in the jungle. Donc c'est soit les bombes, soit le grappin. Ah bah oui, forcément. La vache, cet écran, le jeu est magnifique. Bon, je suis pas loin. Je vais me chercher mes écouteurs et je vais me mettre bien. Ah non, tu verras que sur l'écran de la OLED, il est magnifique. Hein. Tu vas en prendre plein les yeux, quoi. J'en connais un qui va passer une bonne nuit au puits avec sa Vita. Et qui dira merci Bibi.
Ah, tu vas te régaler. Hein. Tu me diras quand tu l'auras fini ce que t'en as pensé. Et si t'as des questions entre temps, hein, comme Rosemary, n'hésite pas. Alors, le grappin. Cactos. Oh, on peut se carrément se TP sur eux, quoi. La classe, quoi. Ça permet de faire des interrupts en plus, quoi. Ouais, il est vraiment classe, quoi. Plus j'avance, plus je kiffe, comme dirait l'autre. Ah ben là, tu vas voir que Is, c'est une invitation au farm et à ça. Hein. Ça doit marcher sur le grappin aussi, je pense. Ouais. Threat eliminated. Putain. Ça, c'est l'élimination, quoi. Kombawa. On va t'appeler Tsuki-kun, au Genki de Shoka. Tsukino Hikari même. Moonlight, c'est Tsukino Hikari. Mmh, t'as vu toi? Ah la classe le grappin, je kiffe. Mon grappin, quoi. Un bon copier de Zelda, quoi. Donc, soit tu montes à l'arrache, soit tu montes au grappin. Ah non, on pouvait même pas monter. Putain, je pouvais grimper sur la. Putain, délire. Et pour moi, je suis allé me foutre dans un truc où je me suis bugué, non? Non, c'est bon. Hop là. Tu l'avais pas vu, Moonlight? C'est Ocean Horns 2. T'étais pas là le soir où je l'avais, j'avais fait le gameplay découvert dessus? Just keep on shooting. Ah, si t'aimes les jeux Zelda, effectivement. C'est le kiff absolu, quoi. C'est le kiff absolu, quoi. Putain, l'autre est tombé, il a pas apprécié, quoi. Et non, malheureusement, le premier avait tellement marché qu'il a eu une adaptation en boîte, et le deuxième, pour l'instant, c'était une exclusivité. Ces jeux-là, ça commence par une exclusivité Apple. Et après, ça marche tellement que ça sort sur les autres supports. Mais à l'heure actuelle, il n'y a que Apple et Nintendo Switch des maths. Mais ça ne m'étonnerait pas que dans quelques semaines ou mois,
Limited Run, Signature Edition ou un autre, ils mettent la main dessus. C'était Limited Run qui a vu les versions boîte du premier. Donc il serait pas impossible que... ouais, je l'avais pas fini, je l'avais testé, je l'ai sur Vita. Et par contre, c'était moins ambitieux, c'est-à-dire que graphiquement, là, c'est du gros effet waouh. C'est presque, voilà, on est dans le top du jeu sur Switch niveau qualité graphique. T'as des effets de partout, c'est magnifique. Le premier était beaucoup plus humble, c'était de la 3D isométrique, mais vraiment sympa. Hommage à Zelda, là, aussi, pareil. Plus Wind Waker, le premier. Là, on est plus sur du TP, après quelques heures de jeu. Ça me ferait plus penser à du TP. Tetraod like to play hide and seek. Mission accomplished. Alors, logiquement, ça... Non. Alors, peut-être avec des... du feu. Alors, je l'ai fait tomber, mais alors ça me sert à quoi? Beaucoup, je l'ai fait tomber. Mais je vois pas trop à quoi ça me sert l'avoir fait tomber. Moi, bon, toi aussi. Ouais, y a beaucoup de choses qui font vraiment penser à TP. Au début, je disais Wind Waker, mais plus j'y joue, ouais, plus il me fait passer à TP, quoi. Au niveau de l'ambiance et tout, ça fait vraiment Twilight Princess, quoi. Ouais, bon, mais je crois que là... Je sais pas. S'il n'y a pas d'eau, donc la glace, ça me servira à rien. L'électricité, ça me servira à rien. Le feu, ça me l'a fait tomber. Bon, c'est pas grave, on repart en arrière. Alors, on va grimper là-haut, hop là, je poing. Je crois que je l'ai payé 27€, mais c'est un jeu qui en vaut 30, je crois, il y avait 10% offert si on le précommandait. Je crois que c'est 29,99€, mais honnêtement, il les vaut ces 30€. Hein. Il les vaut, mais alors largement, quoi. Ok, there must be a way forward here. Mon ami le blob. Another spiky one. Hey, pop. Pop le blob. Ah, moi je trouve ça vraiment beau pour de la Switch, hein, putain. C'est assez bluffant, quoi. Il est aussi beau en portable, quoi. Un jeu aussi net au niveau des textures et tout, des effets graphiques de partout. Franchement, c'est assez bluffant, quoi.
Ouais, je la prends. C'est sur ces dernières années, j'ai plus joué à la Switch au PC qu'à ma PS4 ou à ma One, malgré que j'ai une PS4 Pro et une Xbox One X. Je dois t'avouer que je préfère jouer PC et Nintendo quand même. Donc je vais montrer une nouvelle config, ça oui. Pour pouvoir faire tous les gros triple A bien gras en ray tracing. Je vais monter une full config AMD, d'ailleurs. Ça va me coûter un bras, mais ça sera mieux qu'une PS4, enfin qu'une PS5 ou une série X. Puis en plus, le PC me servira pour ma chaîne YouTube, donc pas de souci à ce niveau-là. Alors là, par contre, il va y avoir un truc. Est-ce qu'on peut grimper là? Non, pas encore. Là non plus. Donc c'est par là. Ouais, je suis plus hypé par une Switch Pro qui sera guère plus puissante qu'une Switch, tu vois, qu'une PS5 ou qu'une série X, hein. Comme quoi des fois. Hop là. Là, par contre, j'ai pas la clé. J'ai pas la clé. Va falloir ouvrir le passage en fait par là. Ouais. Non, honnêtement, ouais, PlayStation, c'est, je crois que c'est la console qui m'a le plus déçu sur la génération PS4 One. C'est un peu une blague leur truc. D'accord. Ah, cette blague. Faut que je dise à un mec qui se mette là-dessus. Ok. Alors toi, tu vas là. Après, il y a eu des bons jeux quand même, hein. Effectivement, il y a eu Gravity Rush, FF15, non, j'ai pas aimé, Persona 5, il y en a eu d'autres aussi. Tac, si je me retourne, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a plein de bons jeux quand même, ouais. Ni no Kuni 2, par exemple. Nier Automata, il y en a eu quand même quelques bons jeux, heureusement, j'ai envie de te dire. Heureusement, quoi, parce que sinon. Ouais. Où c'est qu'il est le grappin ici? Il sert à quoi le grappin? Bon, il doit juste servir à revenir quand tu descends là, en fait, je pense. Hop là. J'en ai combien des gouttes de sang? Dix-neuf sur 52, un peu léger quand même. Bah la One je l'ai pris pour la One X Gear 5 quoi. Elle est tellement belle cette console. Je l'ai là d'ailleurs. Hein. Elle est tellement belle. J'avais profité pour prendre un peu tout ce qu'il y avait sur One X qui était sympa et qui était mieux que sur PS4 Pro. Parce que la One X est quand même beaucoup plus puissante que la PS4 Pro. Donc pour tous les jeux qui avaient multiplateforme, sur la fin de vie j'ai pris du One X. Mais c'est bien parce qu'ils ont prévu quand même que si on n'avait pas chopé le gamme, on pouvait quand même passer par là. Donc toi, tu bouges pas. Et voilà, quelle classe.
Je pense que là il va me check. Ah ouais, il est là. Il est là, le monsieur. Il apporte que tu peux jouer le frère. Donc il y a quand même pas mal de pannes de scénario qui sont mieux foutues parce que c'était frère-sœur que père-fille. C'est le Gestalt, quoi. Qu'est-ce qu'il est classe, ce jeu. Alors, la clé des terres sacrées repose dans le complexe souterrain sous la pyramide du sanctuaire Sylvain. J'ai pas la clé. La clé des terres sacrées repose dans le complexe souterrain, sous la pyramide. Donc, il faut que j'aille sous la pyramide. Effectivement, je suis pas à côté. Alors, on va trouver un petit sauvegarde et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je pense que je peux descendre, je vais pas mourir logiquement. Hop là. Je suis descendu complètement en bas, quoi. Sauf que maintenant, j'ai des grippes un peu de partout. All right. We're getting closer. On your guard. Je crois qu'ils sont buggés. Le temps qu'il mette son coup, lui. Ouch. Ah, tiens, il y en a un autre. Over. Je pense que je risque de le refaire. Alors, peut-être pas à sa sortie, mais je le prendrai pour le refaire, ça je pense, oui. Moi j'avais vraiment adoré Nier Jlef à l'époque, moi. Quand il n'y avait pas toute cette hype derrière, derrière le premier Nier et le Automata. Moi je l'avais vraiment connu à l'époque où tout le monde disait que c'était de la merde, quoi. Et j'avais kiffé déjà à cette époque-là, quoi.
Alors, la grande question, c'est par où? Sous la grande pyramide, ça doit être par là. Ah. Il me charge, il fait mal ce con. Mais attends. Bim. Il a un bouclier lui par contre. Aurus can be strong and vicious. Tiens. Ouais, un petit peu de cœur, ça me perd du bien parce que c'est pas que je me suis fait défoncer la gueule, mais pas loin. Ouais, en tout cas c'est vraiment bon, j'espère qu'il aura droit à sa version boîte lui aussi. Je me ferais un plaisir de le racheter, même avec un petit collector, tu vois. Je dirais pas non, quoi. En tout cas, pour le coup, celui-là, s'il sort un collector, je le prendrai. On est au bon endroit, on va pouvoir trouver une sauvegarde et s'arrêter là. Voilà, on va explorer les alentours quand même, c'est pas un petit truc caché. Putain, il a une arme à feu lui, bonne job. Il est classe ce jeu quand même. Ah bah écoute, hein, tu découvres en même temps que moi là. Je suis sur du let's play, je découvre aussi. Et franchement. J'espère vraiment que ça sortira sur sur tous les supports. Hein. Ça serait bien que PlayStation et Xbox l'aient aussi quand même. Oula, c'est quoi ça? Bah, on dirait une espèce de fantôme. Elle est vraiment badass quoi. Ah, ils sont bons ces petits Finlandais d'Helsinki quand même. Cornfox. Défi terminé, panorama des anciens. Ah, c'est classe. C'est classe. Moi je dis c'est classe. Franchement, beau gosse quoi, beau gosse. Ah, t'as carrément du grappin pour venir t'accrocher là, comme putain. Puis franchement, le portage sur Switch, mais regarde-moi ça, quoi, cette distance d'affichage. Putain, quand tu vois à côté du Broken Porcelain ou du Turn of Light, sérieux, quand t'as envie de rigoler, quoi. Que t'as envie de rigoler, quoi. Il est beau, ouais, tu veux dire. T'as pas beaucoup de jeux Switch comme ça, avec autant d'effets de lumière, de particules, de textures.
Ah, les Rimosaur, ils sont dégueulasses. Et encore, je suis gentil avec dégueulasses. Va voir mon live, j'ai fait les deux. Hein. Que ce soit Torment Phaser ou Broken Porcelain, c'est une honte. Les portages, c'est une honte. Ils sont dégueulasses. Une espèce de fantôme là, je sens qu'il va me faire chier lui. Donc pour l'instant on va pas y aller, on va aller faire l'entrée secrète là. Et dès que ça m'est sauvegardé on s'arrêtera là, voilà hop. On va faire la save. Il y a quelque chose derrière. Ouais, petit trésor, hop. Ah, le pire là, le dernier que j'ai testé là, Ton of Light. C'est dommage, hein. C'était peut-être là quand je l'avais testé. Le jeu est bon, hein, c'est un petit jeu indé sympa, mais alors le portage, qu'est-ce qu'il était raté. Voilà, The Town of Light, putain, dégueulasse quoi. Dégueulasse. T'as vu les effets, regarde. Là, t'as de la... T'as le vent avec de la poussière. Si tu regardes bien, t'as des particules. Ton perso, regarde, les ombres qui viennent se projeter sur le perso. Les ombres sont super bien faites. T'as les ombres projetées carrément. Et c'est pas du pixel. Et quand il y a du vent, tes cheveux bougent. Là, il n'y a pas beaucoup de vent, mais sinon, tes cheveux ils bougent. Ah, ils se sont bien appliqués. Hein. Ils se sont bien appliqués, ces petits Finlandais. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Bekmou a encore oublié le mot de passe et a dû actionner le levier en haut. Du mur à gauche pour ouvrir le passage qui mène à notre père. Mais pas d'inquiétude, il a été puni. Je m'assurerai qu'il s'occupe bien des œufs jusqu'à ce qu'ils éclosent. Actionnez le levier en haut du mur à gauche. En haut du mur à gauche. Salut Rosemary, c'est Ocean Horns 2. Je vous en avais déjà fait un live sur la chaîne. C'est un clone de Zelda. Mais un bon clone, quoi. Alors, par contre, ce levier, ils disent à gauche. Il est peut-être là, sur ces pierres là-bas. Je vois pas où il peut être, ce coin de levier. Est-ce qu'il n'y a pas de levier? Là, j'en vois pas non plus. Je vois pas où peut être ce levier, il dit à gauche, mais... Je vois pas où il peut être. Immortal Phoenix sera pas très joli, Rosemary, mais je vous le testerai parce que moi aussi il me tarde de le faire le jeu. Mais on l'a vu dans la démo. Ils ont mis une scène cinématique où il faut vraiment tourner le jeu. Elle doit y être encore la vidéo. Elle doit y être encore, je pense. D'ailleurs, la démo qui est faite là. Le trailer qu'ils ont sorti était vraiment sympa de Ocean Horn. Je vous l'ai montré hier ou avant-hier. Alors, Immortal. On doit encore avoir la vidéo. Ouais, elle est là. Là, tu vois tourner le jeu. Tu vois graphiquement ce qu'il vaut, quoi. Ah, c'est la version Switch que tu vas tourner là.
As Phoenix, you'll explore a vast fantasy world filled with gods and monsters alike. Ça se voit que c'est de la Switch. Swim. Ça sera du 720p en docké. 720p 30fps. Hein. Clash with Titans using three weapons. A sword for quick hits. An axe for devastating blows. And a bow for long range shots. Donc là, ouais, tu vois à quoi va ressembler le jeu, quoi. On the fly and chain powerful attacks in fast-paced combat. By solving challenging puzzles, yes, ça va. Ils auraient pu faire le portage plus pourri. C'est pas super propre non plus. Là, tu vois quand même que dès que les zones sont très ouvertes avec beaucoup de détails, ça minimalise les détails. Ils ont mis la résolution adaptative, mais c'est pas immonde, quoi. Radan fonce, et surtout que c'est voilà. Non, honnêtement, c'est correct. Par contre, il faut que le jeu soit fluide, quoi. Et ça, par contre, avec Ubisoft, ils sont pas très doués déjà pour faire des portages. Alors, pour faire un portage sur Switch, j'avoue que j'ai un peu peur. Mais pour l'instant, c'est pas trop moche, quoi. Mais je vous le testerai à la sortie, de toute façon, sur la chaîne. Alors, le levier se trouve à gauche. Mais quelle gauche ? Là, le trou du cul. Il a dû actionner le levier en haut du mur à gauche. En haut du mur. Quel mur ? Là, je vois un tuyau, mais je vois pas de levier, moi. On passe à tous les coups. Hein. Ah ouais, là, niveau texture, il est magnifique. Enfin, niveau tout, quoi. Graphisme, texture, tout quoi. Ce jeu est magnifique quoi. Bon, je suis désolé mais je trouve pas le levier, je dois être très con. Ou c'est vraiment ailleurs. Et j'ai pas capté. Ici là, j'ai pas capté. À moins que ce soit un autre mur qui parle, un mur à gauche, mais... Ah, il est là. Ça y est. Ouais, d'accord. Ta gauche est... Moi, j'aurais plutôt dit derrière. Mais bref. Non, franchement, c'est une tuerie, ce jeu. Hein. Ben, c'est parce qu'on est dans l'ambiance jungle, pour ça. Mais ouais, le jeu est vraiment bien fait, quoi, honnêtement. Puis c'est surtout que... Ah ben en plus j'ai une sauvegarde là. Je vais remontrer le trailer pour ceux qui l'avaient pas vu. Voilà le trailer que t'as quand tu regardes le jeu. Par contre le trailer spoil un peu quand même. J'avoue, tu vois un peu trop. Hein, y a pas la vidéo. Vraiment il y a une vidéo. Voilà, hop. Tu vas voir ce trailer. Il la montre un peu trop mais bon. On va dire que ça te donne envie de jouer quand tu vois ce trailer là. Into Warden Woods. You've got to save her. I'm afraid je précise que je suis pas sponsorisé. To find out who's behind the attack on Armed Village. Ah, it is Mesmeroth. That bitter young warlock has finally decided to try to take the throne from me. You came back safe from your trip to Outcast Island and fulfilled your mission. You have finished your training, son. You are a knight now. But it is not always an easy path to follow. To the skies! Hey, are you sure you don't want me to drive? Did you see the sign about the abandoned mine? Moi j'ai chopé un bois, celui-là, Rosemary. En version japonaise, il y a le français dedans.
go underwater. See you on the other side. Aren't you afraid of what might be hiding beneath the waves? A chest! It's a chest! I love exploring the lagoon as much as anybody. Non, il faut, elle est assez chiante, il faut la commander. Hein. Mais t'as bien fait de proposer là. Là. C'est vrai que 30€, ça fait 10€ le jeu, ça vaut le coup quoi. Entre les deux, il y a un monde. Graphiquement, il y a un fossé, quoi. Is this the legacy Arcadia leaves behind? Your efforts are futile. I am more powerful. Tu passes de la PS2, d'un jeu PS2 à un jeu quasiment PS4, quoi. T'as presque une génération et demie de différence, quoi, au niveau de la réalisation. Follow your heart in all your decisions. This child is for you to raise, Master. Ah, franchement, quand tu vois ça, avec un ils ont super bien réussi leur trailer, quoi. Bon, un peu spoil, tu vois beaucoup de choses, mais voilà, tu sais que tu vas avoir un bateau, que tu vas avoir une moto, que tu vas avoir un avion, t'as quand même des boss épiques, enfin voilà quoi, une sacrée tuerie quoi. Oh, franchement, c'est vraiment hyper classe quoi. Bon, on va s'arrêter là, de toute façon, il y a une sauvegarde. Hop, voilà. Non, honnêtement, ouais, ce jeu, c'est un gros coup de cœur. 30€, effectivement. C'est vraiment un gros coup de cœur quoi. Alors, j'ai vu de tout, hein. Il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui l'ont testé, des sites qui l'ont défoncé. Mais ouais, moi, jusqu'à maintenant, franchement. Je suis vraiment en kiff quoi. Et on peut voir que je suis à 9h23. J'ai fait 42% du jeu. Et franchement, je prends mon temps et je kiffe quoi. Ils l'ont vraiment super bien fait quoi. Très complet. Pas mal de défis. Vraiment, ouais. Vraiment une belle surprise ce jeu. Ça vaut largement ses 30€. Eh bien écoutez, on va se laisser là pour ce soir. J'espère que ce live vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker et à partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux. C'est ce qui me donnera de la visibilité. Je vise à peu près les 700 abonnés pour la fin de l'année, ça serait bien. 7 ans, ma chaîne aura bientôt 7 ans, 700 abonnés, ça serait pas mal. Et tenez-moi au courant pour ceux qui auront pris E-Suite, hein, on continuera de temps en temps à jouer E-Suite. Hein. Donc Emeril et Rosemary. Et bah, plus Moonlight aussi. Allez, bonne fin de soirée à tous et à la prochaine. Gianni.